68 000 $ par an. C'est ce que gagne en moyenne un foyer ici à Tishomingo-Kanli qui travaille dans l'industrie. Vous voulez en savoir plus sur cette région? C'est maintenant que ça se passe dans cette vidéo. Je me trouve ici devant le Tishomingo-Kanli Development Organization. On est ici Tishomingo-Kanli, dans le nord-est du Mississippi. On est à 1h30 de route entre Memphis et Huntsville, juste sur les bords du lac Pickwick, donc dans une région ici qui est extrêmement bucolique, en fort développement également. C'est le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer quels sont les vecteurs économiques locaux. La première chose que je veux vous dire, c'est que nous avons presque 200 000 actifs employés actuellement dans la région. Là, je me trouve juste devant la principale organisation qui a pour but de développer localement l'emploi. Ici, vous avez un taux de chômage qui est extrêmement faible, moins de 5%. C'est beaucoup plus faible que la moyenne des États-Unis. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est qu'ici, l'emploi a progressé en 5 ans de presque 16%, de plus de 16% exactement. Donc, vous avez ici en fait une recrudescence de nouveaux emplois continuels. Les principaux acteurs locaux sont ici multiples et dans différents secteurs. Le secteur principal, c'est le secteur de l'acier, puisque les entreprises locales bénéficient de toute la Tennessee River et ont la capacité, en fait, via le système de barge industrielle, de pouvoir produire de la matière et la transporter par voie maritime. L'intérêt également, c'est l'emplacement stratégique de cette région, puisqu'on est sur les grands axes routiers, très proche de Memphis, qui est la capitale mondiale du fret, notamment avec le siège de FedEx. Donc, vous avez ici vraiment un enjeu logistique très important. Un autre pourvoyeur d'emploi très important, c'est l'industrie du papier. En tête de cette industrie, Kimberly-Clark, la grande entreprise Kleenex, que vous connaissez sans doute, donc qui produisent beaucoup de papier ici. Et également, il y a aujourd'hui un nouveau très très gros joueur, on va dire local, c'est l'industrie aéronautique et de défense, notamment avec le très fort développement de Northrop Grumman et General Atomics. Northrop Grumman, c'est une des trois plus grosses entreprises d'aéronautique au monde. Aujourd'hui, ils sont en fort développement, ils vont amener jusqu'à 5000 emplois dans les prochaines années localement ici à Iuka. Donc, il y a vraiment une économie qui est en fort, fort développement. J'ai pas non plus cité le tourisme parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet précisément sur le tourisme à Pickwick Lake et à Tishomingo-Kanli. Mais il y a plein de choses à faire en termes de tourisme. Aujourd'hui, vous avez 1 million de visiteurs sur Pickwick Lake, ce qui est énorme. Et vous avez surtout, une industrie locale qui est prospère, qui grandit. Et vous avez également, des employés qui gagnent de mieux en mieux leur vie, avec aujourd'hui en moyenne un foyer qui gagne jusqu'à 68 000 $ quand ils travaillent dans l'industrie, donc ce qui est bien supérieur à beaucoup de moyennes nationales. On est un petit peu devant ici, je me retrouve devant les bureaux de chez Northrop Grumman. Je voulais simplement vous montrer le développement de cette entreprise qui ici est un développement très important. On parle de 5000 emplois supplémentaires dans les prochaines années. Surtout, ce que je voulais vous expliquer, c'est pourquoi est-ce que ces entreprises multinationales s'implantent ici localement. Bon, déjà, il y a cet accès à l'eau, au lac, qui est une vraie plus-value en termes de transport maritime, parce qu'on peut envoyer de la matière à travers le monde depuis le centre des États-Unis, puisqu'on a un réseau ici de canaux qui a été créé depuis plusieurs décennies maintenant pour transporter la matière par barge. Mais il faut également comprendre que ici on a beaucoup de fondations positives qui ont été créées par le passé, un réseau d'écoles de grade A ici localement à Tishomingo-Kanli. On a également beaucoup de cliniques présentes et surtout des cliniques de qualité, des cliniques ce qu'on appelle 5 étoiles, ça peut vous faire sourire, mais il y a un classement des cliniques qui existe aux États-Unis, donc elles font partie des 5% des cliniques les mieux notées, et donc Tishomingo-Kanli en compte plusieurs. Il faut également comprendre qu'ici, localement, ce county propose différentes initiatives en termes de taxation, d'imposition et de fiscalité. Vous êtes ici dans un des 5 counties où la taxe foncière est la moins chère des États-Unis. Donc aussi bien pour un investisseur immobilier que pour une entreprise qui développe un terrain et qui construit un bâtiment, ça compte. Et puis vous avez également tout un tas de programmes qui supportent le développement des entreprises. Je parlais un peu plus tôt de Northrop Grumman, c'est une entreprise qui a un partenaire appui privé avec Tishomingo-Kanli par exemple. Bien sûr que le Kanti a tout intérêt à ce que cette entreprise se développe pour développer de l'emploi et donc il les aide. Il les aide notamment à construire un nouveau bâtiment pour accueillir plus de production et plus d'employés. Juste derrière moi se trouve le Tri-State Park. Ici, c'est vraiment un des principaux parcs industriels et de commerce localement.
Il y a presque 2500 employés qui travaillent ici tous les jours. Nous, on a un programme d'investissement qui est pas très loin d'ici, hein, 1,5 km environ, où on a des biens neufs qui sont en train de sortir terre et on a une grosse partie de la clientèle qui est déjà en train d'occuper les biens disponibles qui travaillent ici. Il faut comprendre ici également qu'on a l'opportunité d'avoir un pouvoir d'achat beaucoup plus important qu'ailleurs aux États-Unis. Le coût de la vie est 21% moins cher ici à Tishomingo-Kani que sur l'ensemble du territoire américain. C'est une vraie opportunité, aussi pour vous, je pense, pour acquérir un bien immobilier, puisqu'on arrive à sortir des biens neufs extrêmement abordables. Si vous voulez en savoir plus sur l'économie locale, Pickwick Lake, le Tishomingo-Kani, ce que l'on fait en termes de programme d'investissement, une seule adresse, contact@investir.us. Je vous mets le lien en description également. Vous cliquez sur le lien, vous soumettez votre projet, on prend contact avec vous sous 48 heures. Je vous dis à bientôt, bye bye.